écoutez, on est au Goethe Institut, vous pensez que moi je devais parler quoi? Je parle maintenant l'allemand. Ich habe keine Zeit. Ich liebe dich. Allgemeinlage. Bon, en deux jours, je ne pourrais pas apprendre tout l'allemand. Mais, t'avais quitte d'abord le brouillard, quitte. Regarde comment il y a les gens. Il y a même des gens debout. Bon, les gens ne sont pas debout parce qu'il n'y a pas les places assises. Non, il y en a qui sont debout juste parce qu'ils veulent être les premiers s'aligner tout à l'heure qu'on va partager la fière. Non, les gens sont... Jusqu'à même le directeur du Goethe est là. Yeah! Ce n'est pas n'importe quel spectacle. Hein? Ah! Bon, j'aimerais profiter du fait que le directeur soit là, bien sûr, pour vous prendre à témoin face à une situation qui m'a dérangé, embêté et même turlusculiné quand je préparais ce spectacle. Je suis allé dans le bureau du directeur. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je connais mes gens, je connais mon public. Mettons l'entrée à 1000 francs, les gens vont venir. Il me regarde, il est lui posé, il est lui tranquille là, il me dit, tu vas quand les gens entrent 1000 francs. C'est l'allemand. L'allemand souche. Les gens vont parler en Berlin direct. Je ne veux pas mettre l'entrée, la politique de la maison, c'est que l'entrée est gratuite. Je le regarde, j'insiste, je lui dis, monsieur le directeur, je vous dis que je connais mes gens, je suis avec eux depuis. Bon, si tu ne veux pas mettre l'entrée à 1000 francs, mais au moins à 500, les gens vont payer. Yama, Yama, tu me gardes déjà entrée, entrée, ça est gratuit. Comme quoi, les spectacles que c'est toujours gratuit, c'est une politique. Monsieur le directeur, regardez comment il y a les gens. Quelle bête! J'avais besoin que ce spectacle soit payant. Deuxième spectacle, c'était 2 000 avant les gens debout. Normalement, cette année, je passais à 2 000. Moi, je pense que sérieusement, on va contrôler le type ci. Non, je vous dis, parce que ce qui se passe, c'est que quoi? Il a vu les spectacles, il fait les spectacles ici, la lancée est gratuite, à la fin, il donne la bière, les jus aux gens. Si on ne contrôle pas le type-ci, l'année prochaine, il va payer le taxi aujourd'hui.